je vous présente ta, du, cu, et, a. Pas sûr que ça se prononce comme ceci, mais bon. Donc, ta, du, cu, et, a, eh bien, il va falloir mettre des cases noires. Mais les cases qui contiennent des nombres ou des signes d'interrogation ne peuvent pas être noires. Les cases noires forment des espaces carrés. Donc pas des rectangles, des carrés. C'est-à-dire quand vous avez des cases noires, il faut que ce soit un carré. S'il y en a deux, ça ne peut pas être possible puisque ça ferait un rectangle. Donc il peut y en avoir une, quatre, 2, 4, 6, non, 8. Alors, 2, 4, 6, ça fait un rectangle. 8, 4, et 4, ça fait un rectangle. Donc, 9. 1, 4, 9. Voilà. Donc, je vous aide, vous aurez des carrés de 1, de 4 et de 9. Le nombre indique... Alors, les espaces de cases noires ne peuvent pas se toucher verticalement et horizontalement. Et le nombre indique qu'ici, autour, il y en aura 10. Ici, il y en aura 2 des cases noires. Donc, 2, ça ne peut pas être ici et ici. Donc, ça va être forcément comme ça. 2. Une ici. Une ici. Elles vont rester toutes seules puisque ça forme un carré. Une case avec un signe d'interrogation peut avoir n'importe quel nombre de cases noires adjacentes. Au moins une case noire. Et les cases blanches constituent un champ blanc uni, c'est-à-dire qui se touche verticalement ou horizontalement. Ça veut dire que de n'importe quelle case blanche pourrait aller à toutes les autres cases blanches en suivant un chemin, qui peut bien sûr passer par des cases numérotées. Voilà, vous savez tout. Donc, c'est parti. Alors ici, une. Bon ben une, c'est pas bien difficile. Une case noire, hop. Alors ici, il y aura 4 cases noires à côté. 4 à côté. Ben ici, il faut que ça fasse un carré, donc forcément, ici, on n'a pas le choix. Elles vont être ici. Donc, il y en a. Ben ici elles vont être une, ça peut pas aller là, donc ici ça va être là, 4. Vous voyez, c'est assez facile pour l'instant. Alors 4, elles auraient pu être là hein, aussi, mais là j'en ai 10. Ben pour faire 10, il m'en faut 9. 9 comme ceci. Et un 10. Voilà. 10. Ah. Ah, ça va pas, ça. Ça va pas, 10. Donc, celle-là, je vais les enlever. Je vais les mettre là. Comme ça, j'en ai 9. J'en ai 9, 9 et 1, 10, donc 10, 5,
5, une là et 4 là. Et là. Ici, point d'interrogation, donc il m'en faut. Donc je suis obligé d'en avoir 4. Parce que je ne peux pas en avoir 2, sinon ça fait un rectangle. Ici, 2. 1, 2. Ah oui, mais 5, je peux plus en avoir, ça va pas ça. Hop. Voilà, là j'en ai 5. 4 et 1, 5. 2.